Ce qui m'a le plus touché en découvrant cette carte de déporté politique type, c'était de voir pour la première fois l'écriture de Carmen, sa signature, Bornstein, mon nom, de voir comment elle signait à l'encre violette sur ce document administratif sans âme. Et ce que j'ai essayé d'apporter à ce document d'une froideur glaçante, c'est peut-être, voilà, avec cette silhouette délicate et fragile, c'est peut-être un complément d'âme qui me permettait d'assimiler ces signes glaçants et abstraits à la fois.